Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment créer un compte Outlook, de se créer un compte principal Gmail. Vous vous poserez peut-être la question suivante. Pourquoi avoir deux courriels? La raison est simple. Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous désirez garder votre compte principal sans courriel indésirable, c'est pourquoi nous vous recommandons de prendre deux courriels avec un mot de passe différent pour chacun des serveurs de courriel. Commençons par lancer le furteur. Firefox. Et tapez dans la boîte d'adresse outlook.com, suivi de la touche entrée du clavier. Cliquez sur Créer-en 1. Vous aurez ensuite une page qui vous posera des questions de base. Je vous conseille de prendre en note toutes les réponses que vous aurez entrées, surtout le nom de courriel et le mot de passe que vous aurez choisi. Afin de garder votre identité secrète sur Internet, je vous recommande de prendre un nom autre que votre nom et prénom. Pour votre mot de passe, une bonne pratique, c'est de prendre des lettres minuscules et majuscules en plus de chiffres. Vous devriez aussi utiliser deux mots de passe différents si vous utilisez deux courriels. Ensuite, le serveur vous demande d'entrer des chiffres et des lettres pour s'assurer que vous êtes bien une personne, et non un logiciel qui crée des adresses de masse. Si vous n'arrivez pas à lire tous les caractères, cliquez sur le bouton Nouveau. Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton Créer un compte. Une fenêtre apparaît alors, vous demandant d'enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Attention, il est vraiment nécessaire de ne pas enregistrer en cliquant sur le X, car si vous n'êtes pas sur votre ordinateur, toute personne utilisant cet ordinateur aura accès à vos courriels. Encore quelques étapes, et vous aurez terminé. Choisissez Français-Canada. Ensuite, le thème de votre boîte courriel. Si vous voulez créer une signature automatiquement, vous pouvez. Mais laissons la signature par défaut pour l'instant. Félicitations, vous avez réussi. Maintenant, créons le compte principal Gmail. Cliquez sur le lien et lancez-vous. Cliquez sur Créer un compte.
maintenant votre adresse e-mail actuelle et en fait votre adresse de secours. C'est votre adresse Outlook. Cliquez sur le bouton étape suivante quand vous serez prêt. C'est maintenant le temps de lire les conditions d'utilisation. Cliquez sur le bouton pour suivre verte. Gmail. Vous n'avez qu'à répondre aux questions comme vous l'avez si bien fait avec Outlook. Cliquez accéder à Gmail. Voilà, vous avez réussi.